Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, sans engagement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une box, la Look Fantastique du mois de novembre. Si cette box-là vous intéresse, vous avez en description de vidéo le lien de parrainage qui vous offre droit à 5 euros sur votre première box. Sachant que ce lien de parrainage ne fonctionne pas sur les abonnements annuels, je vous le rappelle, comme pour la Glossy Box. Je vous épingle également le lien de parrainage en commentaire pour que ce soit plus simple pour vous pour le retrouver. Donc la Look Fantastique se présente comme ceci. J'adore la couleur, un bordeaux qui tire sur le framboise. Elle est vraiment très très belle ce mois-ci. Et à l'intérieur, comme tous les mois, je retrouve mon petit magazine, donc avec la description de tous nos produits. Et nous avons au dos le sneak peek de décembre. Ce sera donc un produit de la marque Avant qui se présente donc comme ceci. Et c'est un produit pour les yeux en format de 10 ml qui a une valeur de 98 livres. Ne vous inquiétez pas, petite parenthèse, j'attends bien le calendrier de l'Avant mais il tarde à arriver. Donc dès sa réception, je ne manquerai pas de vous le présenter. À l'intérieur, je retrouve mon petit papier de soie avec le petit collant Look Fantastique. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai vraiment attendu pour l'ouvrir. Et comme tous les mois, mes produits sont donc présentés dans des petits cotillons. Le premier produit que je pioche, c'est donc celui-ci. C'est de la marque Naobe. C'est une marque que j'adore. Il me semble, je suis quasiment sûre à 98%, qu'elle est de super bonne composition. Et là, il s'agit d'une crème légère oxygénante à l'aloe vera, au thé vert et à plein d'autres choses dont je vous marquerai ici les composants. Alors, le seul problème, c'est qu'à chaque fois, c'est marqué en anglais, mais vous retrouvez donc la traduction sur le site directement. Plutôt contente de ce premier produit et le bouchon est également en bois, je crois, donc très naturel. Et au niveau de l'odeur, j'arrive pas à la sentir comme ça. Elle sent le frais. Elle sent vraiment super super bon et c'est vrai qu'elle est très 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 légère. Donc premier produit, je suis donc très 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 contente. Si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Le second produit, j'essaye de vous les mettre juste ici au fur et à mesure. C'est un produit de la marque This Works. Alors cette marque là, je la connais pour les petits sprays d'oreiller. Elle est très très bien également. Et Perfect Legs Skin Miracle. Legs, je crois que c'est les jambes. Donc ça doit être un produit pour les jambes. Et ils disent que vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Donc comme c'est en anglais, je vous mettrai la traduction juste ici. Si toutefois je vous ai dit une bêtise. Et nous avons un format de 30 ml. D'ailleurs pour ce format-ci, c'était un 50 ml. Au niveau de l'odeur du This Works, il est operculé. Il sent... très bon, je sens à travers le packaging, je saurais pas trop vous décrire l'odeur. Je dirais que ça sent le frais, le propre. Et apparemment, vous pouviez également recevoir un autre produit. Donc le Transit Camera Close-Up, qui était un masque et un primer apparemment, qui était dans un format un petit peu plus petit, 15 ml. Également contente de ce produit-ci, sachant que je ne connais pas du tout ce type de produit de cette marque-là. Donc ça va être une découverte. Ensuite, je pioche un produit de la marque Philip Kingsley. C'est une marque qu'on reçoit généralement pour les cheveux. Et là, il est noté brillant senti frisotti. Donc oui, c'est pour les cheveux du coup, en format de 20 ml. Et c'est pure color. Donc, ma foi, je n'ai pas du tout les cheveux colorés. Je ne sais pas trop pourquoi je reçois ce produit-ci. Et on pouvait recevoir donc d'autres produits, un shampoing et un conditionneur. Donc j'aurais préféré recevoir les autres produits car là, ça me fait penser à un produit pour la couleur des cheveux. Mais bon, en tout cas, brillant et anti-frisotti, ce sera toujours utile. Donc celui-ci, je vais quand même le tester. Et au niveau de l'odeur, est-ce qu'il est operculé? Non, mais par contre, il a coulé partout. Il sent très très bon, il y a une petite odeur sucrée. Donc je suis quand même contente de le recevoir et j'ai hâte donc de pouvoir le tester également. S'il y a des produits, hein, comme d'habitude, que vous connaissez, que vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et là, waouh, je pioche un produit de la marque Polar. J'adore cette marque-ci. Et en plus, ce produit-là, je ne le connais pas du tout. C'est de la gamme Ice Pure.
eau micellaire au coton arctique en format de 50 ml sans parfum. Donc ça, très 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 bien. J'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Il dit sans parfum, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de le sentir quand même. Je vous confirme, c'est donc sans parfum. Le produit Polar, vraiment, je suis trop contente. Après, je pioche un produit de la marque Lord & Berry qui se présente donc comme ceci, un petit format crayon. Donc Lord & Berry, on a déjà reçu des crayons sourcils et également des crayons noirs pour les yeux. Et là, il s'agit... Alors oui, d'ailleurs, je suis en train de voir, vous pouviez recevoir le bronze ou le gold. Et moi, j'ai reçu le bronze. Donc, c'est un crayon pour les yeux, tout simplement. Ils disent qu'il est confortable, intensément pigmenté. Et apparemment, il tient vraiment longtemps. Ben écoutez, pourquoi pas. En tout cas, la couleur a l'air vraiment très très belle. Je vais vous la swatcher juste ici. Ouais. Ouais, je suis pas trop trop convaincue. Elle reflète pas vraiment la lumière. Elle est sombre. Ouais, bon, ce produit, c'est un petit flop quand même. Et le dernier produit que je pioche, on reçoit entre 6 et 7 produits dans cette box. C'est un produit de la marque Nails Inc. C'est une marque que j'adore et c'est le vernis que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est donc tout simplement un vernis en couleur qui m'a l'air par contre assez particulière. Un orange vraiment très 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 pétant. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas trop mon truc, cette couleur là. Donc ça, malheureusement, c'est un flop et je ne vais pas l'utiliser. Donc écoutez, au niveau de cette box, on a les produits juste ici. Je vais utiliser le Naobe, This Works, le Polar et le produit pour les cheveux. Par contre, le oui, c'était mon chat. Le vernis et le crayon, malheureusement, je ne vais pas les utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez reçu en différence des miens. Et si cette box vous a également plu, je vais vous le montrer. Bah écoutez, au moins il est venu tout seul, il va tout me foutre en l'air. Ah bah voilà. Écoutez, je pense que c'est le moment que je m'occupe de lui, car là il va faire que râler. Donc cette présentation de box est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, j'ai cru qu'il allait me le faire tomber. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Qui devait arriver est arrivé, donc il m'a cassé le haut de ma bougie. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et nous on se retrouve très très vite pour la présentation d'une nouvelle box. Promis, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.